Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce stream sur AstroTerre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon lundi. Et nous on se retrouve avec une ambiance Morrowind. Eh oui, parce que j'ai très souvent cette tasse. Mais là, j'ai décidé, j'ai téléchargé les musiques de The Elder Scrolls Online. Et ça tombe bien. On a la musique de Morrowind, donc voilà, on va voir. Je sais pas si ça passe en termes de droits sur Twitch, sur YouTube, j'en sais rien. A priori, c'est la même chose que si je jouais à The Elder Scrolls Online, et je crois que j'ai jamais eu de problème avec les musiques. Donc voilà, donc on va voir cette petite ambiance, voilà, voilà. Et salut Mickaël, du coup, salut Mrinvest, salut Mimich, salut LG63, bienvenue à vous toutes et tous. Oh, pas de soucis Mickaël, j'espère que... Tu passes une bonne soirée en compagnie de Raph aussi. Bon, vous m'avez donné envie. Avez-vous fait attention au titre, parce que le titre, c'est de votre faute. C'est vous, voilà. Hier soir, on a passé 20-25 minutes, peut-être une demi-heure, à discuter de la refonte du menu d'interface. Du menu d'inventaire, pardon. De l'interface de l'inventaire. Et donc, bon, finalement, vous m'avez convaincu, on va s'y atteler ce soir. On va partir de ce qu'on avait dit qu'on ferait. Et on va faire un test. On va faire un test. Donc, on avait dit qu'on rajouterait ça. Ha ! Nous dit Mimich. Ha ! Donc, rajoutons ça. Donc du coup, le blur, hop, on l'enlève du background. Le background... Ah, c'est qu'on avait un modèle blur, en fait. Ah oui. Avec un canvas layer. Ah oui, c'était ça. Voilà. Voilà, c'est ça. Du coup, le background, on l'enlève. Plus exactement, le background, on va le garder. Le background, on va le garder, mais on va diminuer sa visibilité. On va s'en servir pour foncer, en fait. Fait quoi déjà si on fait ça? C'est pas mal. Alors je vais essayer d'augmenter un petit peu l'assombrissement. C'est peut-être mieux comme ça. Mais en vrai, on va pas faire comme ça parce que ça fait des marques. Donc en vrai, on va pas utiliser ça. Hop, ce background là, on va l'enlever. J'aurais dû garder le jeu ouvert parce que dans quel menu j'ai aussi un assombrissement. Non, presque tous, non? Voilà, skill. Donc, mm-hmm.
Inventaire, inventaire, inventaire. Couler. Voilà. Oh, la musique! Ah, que de souvenirs! Quelle ambiance! Ouais, c'est pas mal. Donc, maintenant, on va faire un cadre propre, parce que là, les proportions sont pas vraiment gardées. Donc, on va faire un cadre propre. Pour ça, je vais prendre à peu près les dimensions. Donc, je vais mettre en plein écran. Ça va faire un peu sauter l'image sur le stream, mais c'est pas grave. Je fais une capture d'écran. Mon chocolat qui se barre. Hop. Voilà, j'ai fait une capture d'écran. Merde. J'ai pas fermé la bonne fenêtre. J'ai fermé Twitch. J'ai fermé Wazebot. Tout fermé. J'ai fermé ma fenêtre. Voilà. J'ai tout ouvert. C'est bon, pas de panique. Du coup, j'ai pas map view. Non, j'ai pas. C'est bizarre ça, j'ai pas gardé. Ah, ou alors j'ai fait ça avec Photopea. C'est tout à fait possible. C'est même sûr d'ailleurs, j'ai fait ça avec Photopea, mais pourquoi je le trouve pas? Carte. Pas ça. Et où est-ce que j'ai foutu ça?
C'est forcément quelque part. Bah. Alors, si c'est pas map, cette carte. Non. Bah. Bah, comment ça s'appelle ça? UI map border. Attendez, toutes ces ressources, la maps, là, tout ça, là, je l'ai forcément sauvegardé quelque part. Où? Pourquoi c'est pas dans interface? Bah. Où est-ce que j'ai foutu ça? Voilà, c'est bien là. C'est juste que je sais pas lire. Voilà, c'est là. UI map. Voilà. La jolie map. Alors. J'ai créé avec Photopea. J'ai pas créé avec les sprites. Hop. Donc maintenant. Hop. Ça marche pas? Attends. Oh, on va y arriver, mon gestionnaire de cap. D'écran historique des images, hop, voilà. Donc copier, l'image, hop. Oui, des trucs pour le boulot. Voilà. Donc notre cadre là. Il faut qu'il ait à peu près cette taille. Donc, on va pas le redimensionner en fait. On va plutôt le couper. Donc en fait, en vrai, j'aurais pas dû. On va hop hop hop. Voilà, on va pas fusionner l'ombre du cadre. Tant pis pour l'instant. On a juste besoin du cadre parce que sinon l'ombre va nous faire suer. Donc. Quelque part coupé. Quelque part coupé.
Quelque part coupé. Quoi? Ah oui. Je me trompe. Voilà. Donc maintenant je reprends tous les petits bouts. Et on va essayer de caler ça à peu près au bon endroit. Bien à peu près. Ah, ce qui est con, c'est que là, je vois pas où est le machin. Est-ce que je peux me mettre un repère? Voilà, je vais me mettre un repère. Ah bah ça doit être le milieu, 524. Non, pourquoi il met ça? 540? Ça fait 1080. Donc ça c'est le milieu. Et 524 il préfère. Ouais, je sais pas. Ouais, on va prendre ce repère là après tout. Il manque ce coin-là. Et je crois qu'on est bon. Donc ça, j'enlève. Ça, j'enlève. Et maintenant, on va voir si ça marche.
Et voilà, donc on a un beau cadre maintenant. Salut Mister Erwan. Donc ça on peut supprimer. Et là donc on a nouveau cadre. Alors au niveau de l'ombre, par contre, on n'est pas bon. On verra si on rajoute une ombre ou pas. Background, on peut virer. Hop. Donc maintenant, j'aimerais tester alors les pancartes. Donc là, il nous faudrait les pancartes de base. Moi, je partirais plus sur de l'épinette. Ah, c'est vrai qu'on a les hanging signs aussi qui sont bien. Ah, pour faire. On fait voir si je prends les spruces. Évidemment, la taille de la texture, ça va être un peu short, mais. Ça, c'était juste pour. Ouais, tellement petit. Tellement petit! Même à 1000% quoi. Pour tenir les icônes. Mais le problème c'est que les pixels là ils sont vraiment immenses. Il faut pas forcément Photoshop pour faire de belles textures, je trouve que si on fait des belles, même en n'utilisant pas Photoshop. Oui, tout à fait. Et ça dépend vraiment, en fait, ça dépend vraiment ce que je fais là. En fait, Sprite, je l'aime beaucoup, mais je l'aime beaucoup sur des petites images. Là, j'ai une image qui fait la taille de ma fenêtre, c'est-à-dire 1920 sur 1080. Et j'avoue que sur une telle taille, en général, j'ai tendance à préférer Photoshop. Alors là, j'utilise un clone de Photoshop gratuit, Photopea, j'utilise dans sa version gratuite. Et c'est en fait c'est simplement un navigateur. Vous pouvez jouer. Vous pouvez utiliser Photopea simplement en vous connectant sur le site. Alors, on garde ça de côté. Porte, bannière. Du coup, oula. Le cri de mon fils m'a surpris. Il a dû faire un petit cauchemar, je sais pas quoi. Écoutez, il bouge plus. Donc sign, c'est pas ça. Ça doit être dans bloc, alors plutôt sign. Non. Spruce. C'est quoi la texture du spruce des bannières? Ah, très bien, Mr. Ron. Des bannières. C'est les planches? Des pancartes? Et si c'est les planches. Là, on a un pixel x 4, quoi, en fait, grosso modo. Donc, si je mets 400%. Ouais, c'est ça. J'en mets partout, ça va peut-être faire beaucoup, hein.
J'essaie de décaler pour voir. En vrai, ça change pas grand chose. Faut essayer, mais j'ai un peu peur. Ah, de quel jeu tu parles? Le 6 novembre. Ça fait un peu trop de bois, non? Planet Coaster 2. Ah, je comprends. Donc là, on a un pixel, on est cohérent en termes de taille de pixel, mais je pense que ça fait trop. Trop boisé, ouais, c'est ça. Alors, soit on triche sur la taille, soit on essaye un autre bois, quoi. Ouais, je pensais à ça, le stripped. Mais peut-être pas le spruce, du coup. Peut-être plus un oak ou un. Peut-être un bois de bouleau. Ah, pas le bambou, hein. Peut-être le birch ou le oak. Du birch, ouais. Ouais, peut-être le birch. Peut-être le birch, effectivement. Pardon. Donc ça, c'était spruce plank. On va l'enlever. On fait ça. On fait 400%. Un énorme... Je m'en étouffe, pardon. Un énorme merci, Napsindi. Merci beaucoup au troisième mois. Merci énormément et bienvenue dans les enclumes de fer. Non, les enclumes d'acier. Je crois que c'est enclume d'acier. GG à toi, Napsindi. Merci beaucoup. Un mois de plus pour soutenir ce joli projet de dev. Merci énormément. C'est très gentil. Désolé pour la quinte de tout. J'en ai un peu ras-le-bol de toutes ces maladies là que j'ai depuis la rentrée là, c'est affolant. Est-ce que ça contraste assez? Ouais, j'ai peur que ça fasse un tout petit peu trop de rayures, vous voyez le. Ouais. Dark Oak, oula. Ah, pour contraster, ça va contraster. On est d'accord. Ah merde. Ah, qu'est-ce que j'ai? Je me suis trompé de touche. Étape suivante. Je voulais faire un contrôle U, j'ai fait un contrôle Z. Un liseré doré avec du noir, c'est très classe. Et salut Bozota. On fait des tests.
Bah merci beaucoup pour ton bonjour. Ah non, ça va pas. Hein. Faudrait un truc plus lisse en fait, et... Mais pas trop lisse non plus quoi, mais plus lisse quand même. Je suis allé au bout de la tentative, mais... Non. C'est non. Et non, c'est non. Alors, en stripède. Donc on a le hawk. Que le dark hawk. On essaiera après. Ça va faire pareil, hein. Ouais, ça va faire ce même côté. Sinon, faut que je triche. Si j'enlève les deux pixels qui sont là. C'est quoi ce truc? Le curé sur la sandstone. Ah, j'essaye. Là, le problème, c'est qu'on a vraiment des artefacts de répétition.
Ah, ça va pas, hein. Bon. Ce bois-là, en tout cas. Le strip. Mauvaise idée. À la limite, je préfère le planche. Parce que la planche, au moins, c'est. C'est assumé. Alors, si je fais. Sur la planche. À nouveau. 400. Donc là, je fais exprès d'avoir des pixels vraiment beaucoup trop gros. Mais. C'est pour tester. Voilà, donc clairement là on a des pixels très gros. Hein. Et après, c'est peut-être mieux. Hein. Et après, peut-être qu'en termes de luminosité et de contraste, on peut tricher. Diminuer un peu le contraste, la luminosité, vous voyez. Plutôt augmenter le contraste en fait. Si je mets un blur. Vas-y, fais voir si je mets un flou. Non. Alors, il est trop important celui-là. Ah, je connaissais pas ça. Ah, c'est rigolo ça. C'est mieux, mais je sais pas. En fait, j'aimerais un truc un peu irrégulier. Alors, tu disais Minecraft texture block. Bah, je suis dedans en fait. Donc, Sandstone Top. Alors, c'est vrai qu'on est très proche du cadre, hein. On est très proche du cadre. Mais l'avantage, c'est que ça se répète bien. Ouais, oui. Je me disais ça aussi, on peut le mais en vrai le côté bois me plaisait bien, hein. Le côté bien me plaît, le côté bois, je trouvais que c'était une bonne idée parce que ça permettait d'être sur le côté affiche, pancarte. Merde, j'ai fait une connerie. Hop. J'ai fait une connerie.
me fait chier cette ligne. Ça fait quand même très répétitif sur une telle taille. Alors, si je fais hop. J'agrandis, mais pas autant. J'agrandis que de 200. Est-ce qu'on a toujours cet effet too much? C'est peut-être un peu mieux en fait d'avoir que 200. Bonne nuit, Rimas, déjà! Du coup, peut-être que là, sur le spruce, c'est pareil. Peut-être que juste agrandir de 200, ça suffirait. Et pas 400 comme j'ai fait. Ça serait peut-être mieux, en fait. En vrai, comme ça, c'est peut-être pas mal. On peut essayer et puis voir ce que ça donne, hein. Bah écoutez, c'est pas mal. Alors est-ce que c'est pas un peu trop foncé? Ben oui, c'est pas mal.
On peut éclaircir un poil. Salut Yaya 2000, bienvenue à toi. Ouais, c'est bien comme ça. Ah, par contre, un truc qui doit... Ouais. Le blur fait un peu bizarre. C'est mieux. Écoutez, on peut peut-être laisser comme ça. Il y a quand même un décalage de la texture. Elle est pas bien calée. Merde. J'ai coupé trop court. Alors, attendez. On peut rectifier ça. Donc ça gêne de l'autre côté. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ok. Alors du coup. Là, on n'est pas bon en termes de taille. Du coup... Alors c'est un projet qui a déjà quelques années, après bien avancé, il y a quand même d'énormes pans du jeu qui sont pas encore créés, mais c'est vrai que depuis 3 ans et demi, j'ai quand même pas mal débroussaillé le truc. Là, on... c'est un projet qui avance. Du coup, je voulais tester un truc. Comment je fais? Je vais lancer le jeu. Oui, on est encore loin de la première version de test. Alpha même, alpha. Parce que là, on est taille réelle. Quoi? Je voudrais juste ça pour... hop, hop, voilà. C'est juste pour avoir un... la bonne taille. Et du coup, hanging sign. Donc on serait... Alors j'avais fait d'abord, j'avais fait 400. Ok. Et après j'avais fait 200. On n'a pas dit 2021, du coup. Janvier 2021. Allez.
Ça peut être pas mal les hanging sign en vrai, hein. C'est rigolo. C'est rigolo. Il n'y a pas d'effet du coup ici. Alors soit du bois qui contraste plus, soit on remet le truc plus foncé quoi. Mais en vrai c'est pas mal. En vrai c'est pas trop mal. C'est même plutôt rigolo. Donc on a du birch, du bambou, on a le dark oak, jungle, ah mangrove, sinon le rouge. Le oak. J'adore comme c'est tout petit au début. C'est peut-être pas mal, hein. Ouais, c'est ça, donc mai janvier 2021. Parce que bon, autre. Ouais. Après, il y a le birch qui est encore plus clair. Sinon, plus foncé. J'essaye plus foncé pour voir, mais j'y crois pas trop. Je pense que le plus clair. Sera mieux. Ouais, celui-là, clairement, il se voit pas assez. Oui, c'est vrai, Mimiche, mais on a déjà... Oui, mais bon. Non mais tu peux mettre depuis 2021, voilà. C'est suffisamment vague et suffisamment précis à la fois, je pense. Après sinon bon le jungle j'y crois pas trop, c'est un peu trop orangé. Bon après, je sais pas trop hein, si on va mettre des hanging signs partout, hein, j'en sais rien. Je teste là, mais... ça fait... 200 de 400%, ça fait 800, non? Je voulais aller directement au... Ah, en rouge, c'est peut-être pas mal aussi. Ah, en rouge, c'est pas mal. Le mangrove, c'est cool.
Mangrove, c'est cool. On peut garder les deux, hein. On peut garder les deux. Et le birch, du coup. J'ai essayé le birch ou pas? Non, j'ai pas essayé encore. C'était plus clair, le birch. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que 800% ça marche? Ça fait bien directement la bonne taille. C'est ça. Eh ben, c'est pas mal aussi en birch parce que ça rappelle le bord là. Qu'est-ce qu'on a comme ban? Ah oui, il y a Armor Stand aussi, je voulais voir ça. Voilà, on va avoir du mal à faire quelque chose avec ça. Poule? C'est quoi poule? Un sondage, ah oui. Bon, dans les items. Banner. Alors, on a des bannières comme ça. Après, faut plus aller dans les map background, ok. Misc. Models. Armor. C'est pas ça. Painting. Ah. On a que les paintings. Particules, bah non, ça va pas être là-dedans. Trims. Ah. Ah, ok. Ok. Misc, j'ai déjà regardé. Map, j'ai déjà regardé. Environment, environment, entity, armor stand. Banner, ah bah voilà. Base. Ah, trop bien.
chiant, ça a monté, ça a manqué de contraste. Tiled, j'utilise plus, non. Alors, les Portails d'Astrater est un jeu de rôle tactique en 2D créé avec le moteur de jeu Godot. Le développement, commencé en 2021, est fait en grande partie en stream. Eh ben, c'est parfait. Non, mais c'est parfait. Merci beaucoup, Mimich. J'aime bien ça. Salut Mister Chiluc. Aïe aïe aïe. Merde. Je suis sur le bon calque. Sur le bon calque. C'est un peu le bordel hein, mon fichier. Là il va falloir que je... Hop. Quelque part coupé. Ça va pas ce que je fais, voilà. Grand immeuble. C'est pas mal, non? Et du coup, cette texture là, je peux l'utiliser. Donc ça serait banner.
Moi j'aime bien, je sais pas ce que vous en dites. Du coup, je pourrais l'utiliser plusieurs fois. Pour les autres objets. Je pourrais les utiliser pour les armes. J'aime bien en rouge aussi, mais je sais pas, peut-être plus en blanc, ça... Ah, en rouge, c'est pas mal, hein. Ah oui, on dirait que c'est pas centré, oui, c'est possible, hein. Voilà, là, c'est plus centré. Quoique. Ah non, c'est pas centré. Et là, on a 4, et là, on a 3 pixels. Donc là, c'est centré. Mais bon, après, ça c'est pas forcément la bonne taille. Hein. On verra ça dans le jeu. Blanc ou. Peut-être aucun. Bon, on va virer des trucs qu'on n'utilise pas. Sur le bas des pancartes, est-ce que tu à la fin de l'anneau? Je crois que je vois ce que tu veux dire. Trip top, trip right, trip middle, trip bottom. C'est quoi ça? Ah, il y a juste le bottom. C'est la base. Hein. Et qu'ils ont tout fait en blanc hein, pour faire des modulates. Strip bottom, strip top, strip middle, c'est quoi ça? Ah ouais, c'est juste le strip middle, ok. Avec un petit dégradé. Ouais. Intéressant. Oui, je sais, c'est juste que comme j'étais retombé là-dedans. Donc, item. Chain. Donc tu mettrais quoi ça? Mais sans peut-être le pixel là. Tu mettrais quelle partie, Mimiche? Le bas sans pixel en effet. Mais alors avec un petit bloc comme ça ou juste l'anneau là comme ça? Peut-être avec un petit anneau là qui dépasse. Mais c'est pas la même teinte, si. Ah, c'est pas la même teinte. D'ailleurs, cette teinte-là, elle est peut-être plus jolie. Un peu bleutée. Bon, pour l'instant, teinte de saturation.
Je mettrai ça comment, comme ça. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas centré. Donc là, il faudrait que ça soit sur le pixel 2, 3, 4, 5, 6. Comme ça, hein. Pas mal, hein. Comme ça, ça pendouille. C'est pas du tout ce que je pensais, mais c'est mieux. Désolé. Mais c'est pas mal comme ça, non? Alors attendez. Je vais juste regarder un truc. Donc faut que je me dé... on va faire un test en jeu, enfin dans Godot. Par contre, donc, ce que je pensais n'existe pas dans Minecraft. Ok. Donc ça c'est crochet bas. Ouch. Crochet bas droite. Donc ça on va virer pour l'instant. Bannière copie on s'en fout. Bannière crochet bas gauche. Ok. Et... hop. Hanging. Du coup, tout ça, on va mettre dans un groupe. Voilà. Et donc ça, ça va être bannière 1. Bannière... oui, bannière 1. Hop. Donc du coup, les autres trucs, pour l'instant, je vais masquer. Et ma bannière... ma bannière 1. Je vais la décaler. Ouais, je la mets là. J'en fais une deuxième. On verra pour si on met du rouge ou pas. On va déjà voir ce que ça donne avec ça. On va y aller petit à petit, mais franchement, c'est pas trop mal. Hein. C'est pas trop mal. Je pourrais le faire un peu plus petit en vrai. Le truc là, c'est que je sais pas trop comment on va mettre toutes les icônes là. Parce qu'on avait dit les raccourcis là, les armes au-dessus, le petit bonhomme.
Un modèle, voilà, c'est ça. Le petit bonhomme, où c'est? J'aime bien cette bannière là, elle est pas mal, hein, ça change un peu de mes parchemins. J'aime bien aussi, mais je me demande comment je vais réussir à tout caser. Mais j'aime bien, j'aime bien. Mais ouais, non, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Il y a des trucs, j'imagine, voilà, ça marche plus, ça. Hein. Par contre, après, on est super proche de l'inventaire. Transforme les trucs accrochés par des clous aux quatre coins des pancartes. Les trucs accrochés. Ouais, mais j'aime bien les trucs accrochés, non? Après, on n'est pas obligé de tout garder, hein, mais... Ah oui, si on cherche à gagner de la place. Alors. Est-ce que... Je sais qu'on avait dit qu'on le mettrait de l'autre côté. Mais au pire, pour gagner de la place, on peut les mettre les 6 là. Éventuellement, on descend. Ouais, et on met une deuxième bannière en dessous, quitte à monter celle-là un peu, ou à la raccourcir. Ensuite, les armures, on avait dit qu'on mettrait en dessous. Ah putain. Hein? Mais ça va... Ça va coincer là. Du coup, on avait des objets rapides par ici, donc... Objet rapide. Si on met les objets rapides ici. Les armures en dessous, on peut les centrer. Ok. Head.
Armor. Legs. En vrai, ça passe comme ça. En vrai, ça passe. Potion 1. Si je baisse... Et là, ici, on pourrait... Ouais, je sais pas. Là, je mets ça un peu à l'arrache. Hein. On recalera ça bien comme il faut, mais c'est juste pour... On descend les hanging signs. Et du coup, par contre, c'est pour les armes. On avait dit qu'on mettrait une arme ici. Quelque chose comme ça. Je sais plus ce que je disais, Mimiche. Mais là, comme ça, ça passe. Comme ça passerait. En vrai, c'est bien comme ça. Faut juste qu'on cale les signes au bon endroit, quoi. Faut bien tout caler, mais sinon valider à 100%. Alors attendez, un truc. Non. Une capture d'écran. Non, n'importe quoi. Voilà, donc... C'est pas grave si je suis pas au pixel près, hein. C'est juste pour savoir où foutre mes bannières. Et à quelle taille les avoir. Là, on fait vraiment une interface sur mesure, mais c'est vrai que c'est pas mal.
Donc, quelque part copier. 8. Voilà, comme ça j'ai les trucs où il faut. Donc là c'est icône, équipe. Pourquoi je l'en double? Donc du coup, bannière 1. Et je la déplace ici. Faut que je la raccourcisse, je pense. Faut que je raccourcisse un peu mes bannières. Et même que je les affine peut-être un peu. Mon autre bannière 1. Je vais me caler par rapport à ça. Hop. Donc je la rétrécis un petit peu peut-être ma bannière. Hein. Ah bah je l'ai bougée du coup celle-là. Oh. Je les garde de cette taille ou je les rétrécis un peu? Alors par contre là je vais avoir du mal à mettre ça. Peut-être que là il faudrait que j'utilise le système de clous dont tu parlais, je sais pas. Vas-y, avec la bannière. Ou alors j'utilise carrément autre chose. Hein. Vas-y, attends. Peut-être les items frame. Hein. Ce que ça donne, item frame. Non, c'est trop petit. Hein. Je veux pas agrandir. Enfin, après, sinon je perds le côté pixel art. Non, en vrai, les bannières, c'est mieux. Et juste les paintings. Et moi, la couleur du cadre est moins sympa.
J'ai peut-être coupé un peu sec. Merde. Oh, quoi que. Si je rapproche les deux, ça peut passer. Alors, faut que je regarde par rapport à ça. Ah, je suis au-dessus de ça. Voilà, ce serait comme ça. Pour que ce soit vraiment centré. Et si je rajoute des clous, du coup, crochet bas droite. Ce petit pixel là. C'est pas mal. Faut voir si ça passe, sinon j'agrandirai un peu. En vrai, c'est pas mal. Ah ouais, du côté de Create, ouais, peut-être. Oui, j'ai décalé volontairement. Ça fait pas joli. C'est effectivement volontaire, mais... C'est parce que là, l'icône est plus petite en bas qu'en haut. Mais sinon, j'aligne. Hein. On est pas mal. On est pas mal. On est pas bon. À un pixel près, on va décaler ça.
Voilà. Donc c'est les icônes en or hein, qui bougeront. Y a pas de sign dans create, ok. Je mets des clous aussi, hein. On n'a pas trop de place. Duke. Je que j'avais dupliqué les clous, mais... Ah, c'est ça. Merci. Alors, weapon. Non, c'est head. Sweat. Amo 1. Alors est-ce que ça passe, tiens, ça si. Eh, ça passe pas vraiment. Il va falloir que j'agrandisse un peu. Je suis obligé d'agrandir là. On va agrandir, on va s'occuper des autres pour l'instant. Potion 1. De l'autre côté. Voilà. Donc faut que je m'occupe des hameaux là, que j'agrandisse un tout petit peu, j'avais coupé trop court.
Et du coup, le model control. Et vrai, il était pas mal centré. C'est vrai que ça a une autre gueule comme ça. Ça a une autre gueule. Joli step up. Merci. Non bah merci aussi d'avoir insisté hier soir parce que c'est ça qui nous a donné des idées là pour aujourd'hui. Content d'avoir insisté. Yes. Après pour la partie inventaire, je me demande si on va pas passer à 6 colonnes au lieu de 7. Ce qui nous ferait gagner un peu de place, ce qui nous permettrait d'avoir les filtres. Parce que là je vois pas comment placer les filtres. Enfin pas les filtres mais les options de choix. Plus la poubelle, plus les sous. Bon les sous on peut à la limite on peut déplacer par ici ou par là, tu vois, les sous on peut les mettre là éventuellement. Surtout si on gagne un peu de place en enlevant une colonne. Et après les filtres, je pense qu'on va les mettre derrière une espèce de pancarte aussi. Hein. Ouais, je me posais la question aussi. Je sais pas. À voir, à voir. Bon déjà je modifie là, et déjà... c'est classe. Hein. Après, est-ce que je rajouterais... dans les petites, peut-être un petit liseré d'ombre sous les bannières là. Un petit peu d'ombre, voilà, pour ajouter un peu de relief sur ça. C'est du détail, mais ça fera beaucoup, je pense. Bon, ce qui est cool, c'est que. C'est que l'inventaire il reste fonctionnel. Il faut juste que je décale ça là. Clairement ça va falloir le changer là, ça va pas. Ouais. Ouais, ça c'est pas terrible ça. Et quand il y en a un ça va, mais quand il y en a plusieurs ça pose des problèmes. Donc ça va falloir le changer je pense. Et ça aussi, on a dit qu'on gagnerait un petit peu en hauteur pour que ça se cale mieux. Oui, moi aussi. Mais ouais, il y a matière à améliorer encore un peu avec de l'ombre. Il est déjà 23h11. Bon, on finira clairement pas ce soir, mais on a déjà vraiment bien avancé. On finira sûrement demain. Alors, donc, faut que j'agrandisse ça. Faut que je pense à sauvegarder d'ailleurs. Alors, Et on a...
Et je pense que je vais aligner les... Allez, on va dire que là, ça va. C'est le bordel, ces calques. Alors, attendez. Donc ça, c'est les clous. Clous. Bannière. Arme. On va faire un groupe. Bannière, arme, hop. Du coup, ça, on vire. Ça, on vire. Je duplique la bannière arme. Non, ça va pas. Je vais tout déplacer. Voilà. Et donc, je me mets au-dessus de ça à 4 pixels. Je me mets au-dessus de ça à 4 pixels. Voilà. Comme ça, je suis centré. Ok. Donc ça, c'est bannière arme droite. Ça, c'est bannière arme gauche. Ça, c'est bannière gauche. Ah, donc c'est bannière droite. Donc ça, toutes ces icônes là en fait on n'en a plus besoin. Donc on vire. Bannière copie, ça c'est la bannière de base. On va la garder, ça peut toujours servir. On va la foutre là. Ça peut toujours servir. Ça c'est quoi ça? Ouais, c'est les hanging signs. En vrai, on va garder ceux-là, je pense. Et on planche. Alors, ça, c'est les clous. On cloue. Ça, c'est la bannière. Armure. Donc ça, on va grouper bannière armure. Voilà. Voilà, c'est un peu mieux rangé. C'est un peu mieux rangé. Donc je voulais faire quoi ?
Ah oui, l'ombre. Alors. Là, on a déjà une ombre. Un peu mieux casé, mais... Ah, elle est trop petite, non? Ah merde! Attendez... Ah, j'ai un décalage de 1 pixel. Attendez. Non, c'est mon cadre qui a un décalage. Oui, on va bouger le cadre, hein. Vous savez quoi? Alors, nouveau cadre. De toute façon, c'est vrai que mon cadre, en fait, il a pas la même taille de pixel. Donc du coup, est-ce qu'on agrandit mon cadre? Mais je pense pas, je pense qu'on va laisser comme ça, tant pis. Donc mon cadre. Par contre, mon cadre... On va le monter. Voilà, pour que l'ombre coïncide mieux. Et ici, ici par contre on est bon. Et en bas, voilà. Donc c'est bon, c'est le cadre que j'ai monté, c'est plus facile de monter le cadre. Alors maintenant. Au niveau de l'ombre. Au niveau de l'ombre. OK. Ah oui, c'est ça. Voilà. Voilà. On était à 30%. Ok. Donc là, on vient. Là. On fait ça. Ouais.
On va détacher cette partie-là. Hop, ce qui va nous permettre de bouger cette partie-là. Voilà. Ah, on vire ça. Et ça, on déplace là comme ça. C'est bon. Et là, c'est bon. Donc maintenant, on peut tout fusionner. Hop. Ah. Merde. Petite boulette. Là, on est bon. Et donc, si on met notre pourcentage, comme tout à l'heure, à 30%. Un truc un peu chelou ici, non? On met 50%. Alors, exporter en PNG. Et Inventory Border. Ok, et du coup, weapon 1, ammo 1. On est bien là. On est bien.
Ah oui. Alors oui, on est bien. Ah oui, c'est bien mieux qu'avant. Oui. Et encore, c'est pas tout à fait fini. Il nous reste la partie de droite à faire. Je pense que la partie de droite, on s'en occupera demain. Alors je vais juste rajouter une ombre. Je vais essayer de rajouter une ombre pour les bannières. Et ça, il faudra qu'on le déplace aussi. Comment j'ai fait pour la map? Ok. Ouais, donc... faudra qu'on le mette là aussi. Pas très consistant là mon pixel art là. Ouais, c'est... Ouais, c'est une belle interface, ça. Sympa. Donc, hop, nouveau. Un nouveau calque. Ombre. Bannière. Déjà. Hop. Voilà, ici donc, bien sûr. Hop. Et bien, c'est que comme on a ce fond en planche de bois, j'ai un repère en fait pour les pixels. Ça aide beaucoup. Voilà. Et donc là, ici, sous les Hanging Sign. Et salut, Edgit. J'espère que tu vas bien.
Et donc, on avait mis à 50% l'opacité. Hein. Ouais, bien ça. Hein. Ah, je suis très content. Merci beaucoup d'avoir... d'avoir proposé ces idées hier soir, là. Ouais, avec la petite bordure, c'est pas mal. Ah, j'ai oublié de mettre de l'autre côté sur l'hanging sign. Il manque sur un hanging sign. Ah, par contre, un truc que je remarque, c'est que du coup... Ouais, on a des pixels qui sont pas très constants. Par exemple, avec le... Avec le parchemin là du personnage, ça, les pixels sont plus petits sur la fiche de perso. Ouais, c'est pas constant. C'est pas grave. Je suis content que tu sois content. Ouais, non, il est chouette notre nouveau. Regardez ce que ça donne en plein écran. C'est pas mal. Bon, on a encore du boulot, mais ouais, c'est pas mal. Ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Eh ben, c'est impeccable. C'est impeccable. Bon, on va s'en arrêter là pour ce soir. On a vraiment bien avancé, bien bossé, on a trouvé plein d'idées sympathiques. Donc du coup, demain, on continue à améliorer notre inventaire. Et il nous reste donc toute la partie vraiment... Inventaire, les filtres... changer le nom d'icône, j'espère que ça va pas trop changer, je sais que ça va impacter des choses, mais on va voir. En enlevant une colonne. Et puis changer notre fiche de perso, du coup. Bouger les émeraudes, bouger la poubelle, bouger les filtres, voilà. Et bouger les... Enfin, pas les filtres, pardon, mais les boutons pour le tri.
Donc il nous reste encore pas mal de boulot, mais... On a trouvé la ligne directrice, donc là c'est cool. Extrêmement cool. Alors j'ai pris un screenshot hein, de l'inventaire avant, et donc je pourrais publier un message avec un avant-après. Je sais pas si je ferais ça sous forme de gif, parce que les gifs en général ça détériore. Pardon, ça détériore la qualité des couleurs. Et j'admire le travail. Non, non, je trouve ça très bien. Pas parfait, mais c'est très bien. Bon allez, sur ce, hop, et ben c'est très très chouette. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi ce stream. On va faire un petit raid. Est-ce que Raph est toujours en stream ou pas? Ouais. Allez, on stream. On stream. Fatigue. On raid Raph. C'est parti. Et ben je le raid avant qu'il finisse. Et puis c'est parti. Merci énormément à tous. Merci beaucoup. Et on se retrouve donc demain pour continuer à modifier cet inventaire. Et puis voilà. Bonne nuit à tous. Ciao ciao ciao. Merci encore.